Eh bien, tout ça annonce les fêtes de Noël. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes. Et donc, je vais me maquiller pour les fêtes. Voilà. Comme ça. Déjà, regardez, je vais vous montrer comment je suis habillée. Voilà, comme ceci. Et voilà. Mais effectivement, vous ne voyez pas, mais vous verrez après. Donc, sur ce, je vais déjà commencer par ceci, le sérum. De chez Lancôme, hein. Franchement, ils sont super bons. J'adore les produits Lancôme. Voilà. Et voilà. J'ai pas eu de palette. J'aurais aimé avoir une palette. Et donc je vais mettre. Vous avez vu, une petite goutte de rien du tout. Hein. Et hop, et ça fait le job. Ça fait du bien en tout cas. Voilà. Après, ce que je vais faire, hein, je vais mettre là-bas l'anti-cerne. Petite pointe. Là. Toujours, hein, c'est Lancôme. Hein. Maintenant, vous pouvez acheter d'autres comme vous voulez. Hein. Je pourrais faire le pinceau pour faire la belle, mais j'ai pas envie. Alors, je vais faire comme ceci. Voilà. Et je vais l'estomper. Et croyez-moi, il est purement génial, cet anti-cerne. Je vais me l'acheter. Hein. Honnêtement, je vais me l'acheter. Parce que ça, c'est une tuerie. Hein. Peut-être un petit soupçon. Non, même pas. C'est vraiment ma teinte. Voilà. Là, j'ai mis l'anti-cerne. Maintenant, je vais mettre la base de maquillage de Lancôme. Mais je vous dis, cet échantillon, c'est une pure tuerie. Je prends que ça. Hein. Je n'ai pas besoin de plus. 1, 2, 3, 4. J'en mets sur les paupières parce que. Voilà. Ma peau est préparée pour le make-up. Je vais en remettre un petit peu sur les paupières. Une petite pointe. J'ai pas mis encore de vernis. Hein. On va prendre le crayon à sourcils. Vous savez que je prépare tout le temps. Et à chaque fois que je prépare, vous pouvez être sûr. Parfois, il n'y a pas grand-chose. Hein. Je cherche pendant des heures. Voilà. Il est là. C'est celui de NYX. Je vais prendre celle-ci. C'est pour les fêtes. Voilà, regardez, elle est magnifique. Déjà, ce que je vais faire, je regarde je mets mes lunettes, je vais prendre, tout de suite que j'ai le déclic, hein, je vais prendre le pinceau. Ok, alors on y va, go. Hop. Non, non, c'est franchement avec le doigt parce que c'est que du doré. Voilà. Et voilà. Vous avez vu, j'ai pris celle-ci, hein. Voilà. Ok. Non, c'est crémeux. C'est crémeux. Voilà. Je ne sais pas si vous la retrouvez encore. Hein. C'est la slick. Et voilà. Alors, je vais prendre la couleur un petit peu beige rosé. Je la prends avec le pinceau, un pinceau de Make Up Révolution, et je vais mettre sur la paupière au-dessus. Légèrement, je mets au-dessus, j'estompe pas trop. Je passe comme ça, vite fait. Après, ce que je vais faire, je prends avec le doigt, parce que c'est un crémeux, et je prends un peu un ton un petit peu beige blanc, un petit peu avec une pointe de rosée, que je mets bien sur ma paupière. Je reprends un autre pinceau, et je reprends cette fois-ci un peu couleur caramel doré. Je vais le mettre sur au milieu. Voilà, je vais le mettre en fait en ras-de-cils, tout simplement. Voilà, ce que vous entendez, c'est Ivy. Parce que je fais ma voix off et c'est Ivy qui fait la belle et qui miaule, arrête pas de miauler. Et là, maintenant, je reprends aussi le caramel doré que je vais remettre en ras-de-cils, tout simplement avec un petit pinceau de couleur caramel, très fin. Je continue pour l'autre œil, pareil, je fais la même chose. Exactement, je fais la même chose. Des fois, ça m'arrive de mélanger un petit peu les deux couleurs, du caramel doré avec le beige doré. Ça m'arrive souvent hein, de mélanger. Hein. Mais c'est pour les fêtes, hein. C'est vraiment particulier. Là, je suis en train de chercher, parce que voilà, je suis tout le temps en train de chercher, 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 je trouve jamais. Là, o oui, Qu oui, je ne sais pas si vous l'entendez. Qu'est-ce qu'il y a? Bah oui,
Là, je vais prendre la palette Make Up Revolution parce que j'ai besoin d'une couleur très claire. Donc, je vais prendre avec le petit pinceau de Make Up Revolution la couleur un petit peu beige doré et je vais mettre au coin externe de l'œil, au coin interne, pardon. Voilà. Maintenant, je recherche comme d'habitude, je fais que ça. Et je cherche et hop, je prends le crayon noir de chez NYX. Non, ce n'est pas un crayon noir, pardon, Glabwop, c'est pas évident. Hein. C'est un petit pinceau tout fin. Et là, je vais prendre un noir doré. Il est noir et il est doré en même temps. Et c'est une très très jolie teinte. Et là, je vais le mettre en ras-de-cils. Voilà. Inférieur, c'est-à-dire en bas. Je suis pas une pro, hein. Je me débrouille. Hein. Voilà, je vais mettre comme ceci. Et pareil, je vais faire pareil sur l'autre œil, tant qu'à faire. Bah oui, hein. Quoi que tu veux. Oh là là, vous l'entendez. Je sais pas si vous l'entendez. Et voilà, et du coup, je fais le ras-de-cils de l'autre côté avec le pinceau. Et ce noir doré, il est vraiment très particulier. Hein. C'est un petit peu noir doré, j'aime beaucoup. Et là, je remets parce qu'il faut en mettre aussi au ras de cils. Donc, je mets et je vais mettre aussi un petit peu au coin interne, externe de l'œil et je vais estomper avec le doigt légèrement. Puisque, en fait, ce sont des teintes qui sont grasses. Ce sont des crèmes. Ce sont pas beaucoup de irisés, de poudre, c'est vraiment des crèmes, donc faut vraiment les étaler. Mais il faut savoir qu'après j'ai retouché un petit peu le maquillage. Voilà. Oui, que tu veux? Ben, c'est dommage, je voudrais vraiment vous la filmer. Ça vaut son pesant de cacahuètes, mais comme je fais la voix off, je peux pas la filmer. Voilà. Et donc là, maintenant, eh bien, on va. Je me gratte la tête. Pourquoi? On va prendre le eyeliner de chez Make Up Revolution, qui est une tuerie. Il est vraiment génial. Et là, par contre, il faut vraiment le mettre en ras de cils. Oui? Oh là là, elle n'arrête pas de parler. Voilà, et je fais pareil pour l'autre œil. Je fais très, très attention. Moi, je tire un petit peu la paupière. Voilà, et hop, voilà, ça y est. Oui? Mais quoi? Oh là là. Et vous savez comment elle fait? Elle me répond. Bon alors attendez, on en est où là? Parce que c'est la première fois que je fais une voix off, hein, je vous cache pas. Hein. Donc c'est un peu dur pour moi. Là, je prends le pinceau couleur caramel. Je vais reprendre, une fois que j'aurai vu sur la vidéo, oui, le ton beige rosé de la palette Make Up Revolution. Et je mets en ras de cils inférieur. Oui? Bah dis donc, qu'est-ce que tu racontes? Alors je suis désolée, hein, mais Ivy, elle n'arrête pas. Et donc là, du coup, bah, j'ai mis en ras de cils inférieur. Maintenant, je prends. Ah oui, alors je prends ce caramel doré aussi sur cette palette-là. Mais je vais juste mettre une petite pointe au milieu parce que c'est vraiment du doré. C'est pour un petit peu égayer. Le make-up et lui donner de la luminosité. Maintenant, je vais chercher une heure, le facteur est pas passé. Je reprends un pinceau, mais cette fois-ci un pinceau sans poudre, sans rien, pour estomper légèrement. Voilà, je regarde. Qu'est-ce qu'il y a, Ivy? C'est mon coudain qui fait du bruit, hein, ne vous inquiétez pas. Ça fait un bruit bizarre. Et là, voilà, je remets de la poudre un peu plus claire en dessous l'arcade sourcilière de façon à illuminer mon regard. Je regarde bien si ça déborde pas. Et je cherche encore, comme dame. Ça y est, on est tranquille, elle miaule plus. Parce qu'elle était allongée, les pattes en l'air, elle n'arrêtait pas. Je prends mon oula. Alors là, le oula oula là, c'est important pour moi. Je n'utilise que ça. Faut que j'en rachète d'ailleurs. Je vais peut-être y aller demain, m'en acheter. Ensuite, je pense que
Une fois que j'ai mis ça, ah ça c'est du chromatique, il est génial. Mais c'est vraiment une tuerie. Mais sincèrement, je le recommande à 10 000%, c'est de chez NYX. Il est couleur chromatique, il est très très brillant, il est tout à fait parfait pour les fêtes. Voilà, regardez, franchement c'est chromatique, il est vraiment génial. J'adore. Ma bretelle qui tombe. Ouais, ça je vous montre, il est vraiment top. Alors ça c'est, alors là c'est un, comment dire, c'est pour les yeux, c'est, je sais plus comment ça s'appelle. En fait, ce sont des paillettes, mais il est aussi super celui-là. Il est chez Make Up Revolution. Je l'utilise seulement pour les fêtes parce qu'il est vraiment très très brillant. Il y a beaucoup de paillettes. Alors ma luminosité, je pense qu'elle est trop pâle. Il faudrait que je fasse attention la prochaine fois. Et là, je vais prendre le crayon NYX noir. Je vais mettre en ras de cils inférieur et supérieur. Comme si je m'y connaissais. Enfin non, je veux dire, comme si je m'y connaissais dans les termes. Ça me fait trop rire. Moi, je me la pète pas, hein. Enfin, je veux dire, personne se la pète, hein. Moi, je veux dire, je m'en fous. Alors voilà, donc là, j'en ai dans les ras de cils. Et voilou. Et je Je n'ai mets pas le crayon parlé, je NYX vous ai à... montré un truc qui tombe tout le temps. Ce que ça donnait, je peux mettre aussi le duo chromatique. Il est vraiment sublime, vraiment génial, génial. Bah écoutez, encore un peu d'highlight parce que c'est les fêtes, c'est normal, j'ai des plein de pinceaux, mais je prends toujours les mêmes. Voilà. Bon, j'ai 60 ans aussi, hein. C'est vraiment pour ceux qui ont 60 ans et qui veulent se maquiller pour les fêtes, hein. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai encore un petit truc à faire, hein, je pense. C'est ici. Estompé. Avec... Voilà. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis prête pour les fêtes. Voilà, et j'ai oublié quelque chose d'important. Monsieur Big, pareil, c'est de chez Lancôme. J'ai énormément de choses de chez Lancôme, j'ai même le pinceau, j'ai tout. D'ailleurs, je vais vous montrer le cadeau du jour aujourd'hui. Et là, de chez Lancôme, et là. Voilà. J'aime bien le bout du nez qui brille. Moi, c'est comme ça que je vais aller chez ma mère. Par contre, j'en ferai un pour extravagant parce que je suis invitée pour les années 80, pour le jour de l'an. Et là, je vais en faire un, mais croyez-moi, ça va dépoter là. Alors, je ne sais pas si vous voyez tous les tons qu'il y a. Voilà. Je ne peux pas mettre du noir, faire un smoky, un vrai smoky, parce que si je fais un vrai smoky, j'ai 60 ans et je ne pense pas que ça fera très joli, quoi. Sur ce, j'ai rien oublié. Si, j'ai oublié quelque chose. Voilà ce que j'ai oublié. Jingle bell, jingle bell, jingle under run. Et voilà le make-up du jour. J'espère qu'il va vous plaire. Je ne suis pas une expert, mais j'adore me maquiller. J'ai toujours aimé depuis tout jeune. Avant, je me maquillais qu'en bleu. J'adorais ça. D'ailleurs, si vous regardez mes tutos précédents que je vais mettre ici, je vais essayer de vous les retrouver. De toute façon, je vais vous mettre la playlist de tous les tutos. Et vous aurez la chance parce que comme je retravaille, tous les matins, je vais faire un tuto. Enfin, la chance, peut-être pas, mais bon, ça dépend pour vous. Mais le tuto make-up, je vais le faire. Et regardez, regardez. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Non, me partir. Voilà, vous avez la surprise de voir Ivy. 17 minutes, mon Dieu. Ça a duré, hein. J'ai rien coupé en plus, parce que je n'avais pas l'intention de faire de coupure. Et je vais vous montrer le numéro 21, si Ivy veut bien me laisser aller dans la boîte, parce qu'elle y est déjà. Ivy, attends, je peux aller dans la boîte. Merci, ma chérie. 21. Alors là, c'est quoi?
Attendez, parce que je ne sais absolument pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Du talc? Attendez, je regarde. Du lait Galatéis, lait démaquillant doux à l'extrait de papaye. Waouh! Eh, franchement, mais franchement, ce calendrier! J'ai une. Christelle, Christelle, si tu me regardes, je fais des gros bisous. Christelle a acheté, justement, parce qu'elle voyait que tous les jours sur Instagram, je présentais les produits Lancôme. Et elle m'a dit, mais je vais me l'acheter. Elle a été l'acheter et elle a eu sur un site, ben, Origine, il s'appelle, je crois, le site. Et elle l'a eu à 75 euros. Franchement, allez-y, foncez, parce qu'il y a même un full size à 32 ou 33 euros. Je ne sais pas. Alors, je vais vous montrer un truc. C'est qu'Ivy, elle adore le make-up. Elle adore ça, vous allez voir. C'est mon mou, chouchou. Tu le veux? Tu le veux, bébé? Tu veux? Non, on ne mange pas. Vous voyez? Bon, sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est vraiment un make-up pour les fêtes. Voilà, je vais refaire une petite retouche là parce que j'ai ma glace, mais ce n'est pas top top. J'espère que ça vous plaît. Voilà, pour les femmes de plus de 50 ans et 60 ans. Et jingle bell, jingle bell, jingle on the run. La 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 la. You! Bye bye! Abonnez-vous, likez, partagez, commentez si vous n'êtes pas abonné. Ciao!